avec le projecteur derrière. Eh ouais. Ah, ça sera bon après le pas tout le monde, hein? C'est moi, oui. Avec l'appareil, là. Bon, il est certain que les rangs qui sont vers le fond de la scène ne se feront pas d'en bas. Hein. Donc, il va y avoir un petit problème de ce côté-là. Si deux ou trois personnes peuvent descendre, il y a une chaise libre ici, et une personne pourrait se mettre à côté de Mme Bonzi, par exemple. Et une autre là-bas, vers Mme Bonzi. On n'arrive pas à s'asseoir, hein? Ben écoute, si des personnes... Oh non, non, les pieds bandent, là, ça va être difficile de s'asseoir. Alors si les personnes courageuses au tout dernier rang peuvent venir effectivement devant les personnes assises, là c'est pas mal. On arrivera à caser tout le monde. Ok, allez, on y va. Vous regardez tous par là, c'est bon. Edin, attendez, hein. La double. Restez là. Voilà, c'est bon. Attendez un instant. Thank you.
Attendez, c'est pas fini. Encore trois. Le marron, vous voulez que je vous paye ? Y aller ? C'est dans ce coup-là. Attends, mais d'abord, on va prendre un peu. Travailler.
voilà. Bien, si, si vous le voulez bien, je vais, au nom du conseil municipal, au nom du conseil municipal, une fois l'an, se voit bien plus souvent, mais au moins de se retrouver une fois l'an pour ce repas d'amitié et ce repas de souvenirs. Nous sommes très sensibles à votre présence, aussi nombreuse. Beaucoup d'entre vous ont fait des efforts importants parce que nous savons très bien combien vos obligations sont nombreuses, combien vos enfants, vos petits-enfants vous mettent à contribution pour de très nombreux services, pour de très nombreuses aides. Vous avez également parfois effectué des efforts compte tenu du déroulement habituel de vos journées. Je pense notamment à Madame Hermance Gorgi, à tant et à tant d'autres personnes qui ont souhaité ici être aujourd'hui parmi nous. Qu'il nous soit permis de vous remercier chacune et chacun individuellement le plus chaleureusement possible, car c'est un plaisir sans limite que de se retrouver ainsi une fois l'an pour cette tradition qui nous est chère. Remercier également, bien entendu, les jeunes du chantier d'été qui ont contribué à préparer les listes d'invitations qui ont servi au Centre communal d'action sociale pour adresser les invitations. Remercier les enfants du CM1 et Madame la directrice de l'école élémentaire, Madame Marie-Noël Tardy, qui ont réalisé les menus. Nous avons tous un très joli dessin, et c'est une occasion merveilleuse à la fois de voir combien cette solidarité entre les âges de la vie existe dans notre commune, mais aussi combien les jeunes de Saint-Paul-de-Barre sont d'un sens artistique très affiné, et nous pouvons faire confiance à leurs enseignants en la matière. Remercier Monsieur Pierre Isnard, qui est le photographe de Montclair, qui a dû nous quitter et qui a effectué tout à l'heure les photos. Il a effectué ces photos à titre gracieux, ce qui est important pour les amis du CCAS, semble-t-il. Mais il les a surtout effectuées car il connaît de très nombreuses personnes qui sont parmi les clients les plus sympathiques, m'a-t-il dit. Donc je lui fais confiance. Il s'est donc fait un plaisir d'être aussi parmi nous. Monsieur Brunel, le traiteur, qui est un traiteur installé dans le canton de Vives, dans une ville voisine, professionnellement, sur notre commune, personnellement, et je ne doute pas que son repas sera de très grande qualité. Il a par ailleurs tenu à vous offrir de champagne au dessert, et nous l'en remercions également par avance. Je voudrais avoir également un mot pour les personnalités qui sont ici présentes, qu'elles me pardonnent, j'en oublierai,
il n'y aura pas de hiérarchie particulière, protocolaire particulière. Remercier M. l'abbé Candose, qui est présent parmi nous, qui veille sur nos âmes. Et nous faisons une grande confiance, car il le fait avec beaucoup d'amitié, de sympathie et de fidélité. Remercier M. l'adjudant-chef Fidèle, qui lui veille sur notre sécurité plus physique et plus matérielle concernant la sécurité de nos biens. Et nous sommes également très sensibles à l'attention dont il entoure notre commune. Les effectifs de la gendarmerie de ville sont limités, avec des charges de services publics très lourdes, compte tenu de la prison notamment. Et pourtant, nous voyons très souvent leur estafette et leurs véhicules dans notre commune, et cela a contribué à donner plus de tranquillité, plus de quiétude, plus d'assurance au bon fonctionnement collectif de cette commune. Bien entendu, remercier tous les employés communaux qui ont considérablement travaillé pour cette manifestation. Marie-Rose Brun-Picard, mais tant et tant d'autres qui ont consacré beaucoup d'heures pour qu'ainsi nous puissions être réunis dans un très joli décor, avec de belles plantes, tant et tant de petites choses qui contribuent à la qualité de cette journée et avec beaucoup d'harmonie. Le travail des employés communaux est souvent un peu méconnu parce que ça fait partie des travaux quotidiens qu'ils effectuent avec beaucoup de dévouement. Et par conséquent, je suis très attaché à cet hommage car on sous-estime toujours la totalité des travaux qui sont effectués. C'est comme une mère de famille lorsqu'elle doit préparer le repas. Lorsqu'on s'installe à table, on sous-estime toujours les heures qui ont dû être passées dans la cuisine pour faire en sorte que tel ou tel mets soit vraiment de la plus grande qualité possible. Les employés communaux, c'est pareil, ils font énormément de petits travaux sans lesquels votre commune ne serait pas comme elle. Remercier, bien entendu, tous les membres du CCRS, du Centre communal d'action sociale, Madame Arlot, Suzy Coyard, qui normalement, si elle n'était pas aussi timide, et aussi un devrait être à mes côtés. J'espère que c'est la seule interprétation qu'on puisse donner. Je rassure, nous avons été toute la matinée ensemble, et pour moi c'est une déchirure que d'être séparés aussi rapidement. Très bien, assez rapidement. Bon, nous avons tenu ensemble à aller remettre un cadeau à Monsieur Deuil, qui est le doyen, Monsieur Brun, pardon, qui est le doyen de la commune. Et 94, 95 ans, nous avons même eu à goûter le guignolet, ce qui, à 10h15, a eu un effet certain sur Suzy comme sur moi, je ne saurais le cacher. Et puis, M. Brun nous a raconté tant et tant de belles histoires. Nous avons ensuite rendu visite à Mme Zény, qui est la doyenne, et elle nous a, elle aussi, en compagnie de sa famille, raconté tant et tant d'histoires qui avait fait de merveilleux souvenirs sur la commune de Saint-Paul-de-Mars. Je voudrais également remercier, bien entendu, le Club des Anciens, son président, Félicien Primard, l'ensemble de son bureau, parce que vous nous donnez vraiment un très bel avenir en héritage, un très bel avenir, de vous voir aussi intégrés dans la vie entière de la commune, de vous voir avec cette jeunesse de cœur, fait véritablement l'essentiel de la qualité de la vie. Car on sait bien que les âges comptent peu, certains sont vieux très jeunes, c'est parfois le reproche qu'on me fait, certains sont jeunes très très longtemps, et c'est une très belle qualité que d'être jeune le plus longtemps possible. Je voudrais vous dire aussi aujourd'hui, à chacune et à chacun d'entre vous, comme conseiller général, que vous m'avez fait depuis que je suis élu, la plus belle des récompenses. Il y a 6 ou 7 mois, dans ce canton, une enquête était lancée par l'UDIAGE, qui est une union départementale, qui faisait une enquête sur la vie dans chacune des communes. Les conclusions de cette enquête nous sont intervenues, ont été données il y a quelques semaines. De nombreuses personnes d'entre vous ont été questionnées, notamment par vos médecins traitants, le docteur Letvan, le docteur Meunier, le docteur Cognard, le docteur Régnier, tant et tant de docteurs dans le canton qui vous ont posé des questions après l'accord du CCRS, après l'accord du Club des Anciens, après l'accord du conseil municipal, c'était pour faire une enquête qui sera communiquée dans sa totalité au CCRS et au Club des Anciens et contiendra des dispositions pour faire une enquête sur la vie dans chacune des communes.
et vous avez placé sur tous les thèmes qui tiennent à cœur à la commune de Saint-Paul-de-Vars. La solidarité entre les voisins, l'insertion dans la vie municipale, l'attachement à la commune, la volonté d'y rester le plus longtemps possible. Vous avez placé notre commune très largement en tête. Vous le verrez, dans certaines communes, la moyenne cantonale, la question est-ce que d'après vous, vous pouvez compter sur la solidarité de vos voisins si vous avez une difficulté? Le résultat doit être de 53-55% en moyenne. La réponse oui est à plus de 75% pour la commune de Saint-Paul-de-Vars, et plaçant ainsi cette commune en tête. Est-ce que vous souhaitez vivre le plus longtemps possible, rester à votre domicile? Là, vous avez passé tant et tant de belles années le plus longtemps possible. La moyenne doit être de 60% au niveau du canton. Elle est à 92% pour la commune de Saint-Paul-de-Vars. Et c'est la plus belle récompense, parce que cette enquête, vous le verrez, a été faite à partir d'un nombre très important de personnes, et par conséquent, les résultats sont réellement représentatifs, et manifestent ce souci d'appartenance qui est de loin le plus important et le plus beau. Nous essayons, bien entendu, d'être à la hauteur de ce souci d'appartenance que vous avez manifesté, de remplir la confiance et l'attente que vous avez ainsi manifestée. Nous le ferons avec beaucoup de dévouement, en ayant à cœur, bien entendu, de répondre le plus concrètement aux questions que vous pouvez vous poser. Ces questions, elles sont si nombreuses que nous ne les évoquons bien entendu pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça doit être avant tout la fête de l'amitié. C'est avec cette amitié particulière que nous retrouvons des personnes qui ont beaucoup compté dans la vie de la commune, que parfois la santé a éloignée. Je pense notamment à Jeanne Paulin. Vous avez été si nombreux tout à l'heure à me dire combien vous étiez heureux. Et nous sommes très sensibles à sa présence. Bien entendu, moralement, ce petit mot d'accueil ne serait pas ce qu'il doit être si nous n'avions pas ensemble une pensée pour celles et ceux toujours trop nombreux qui, au cours de l'année, nous ont quittés. Ils sont parmi nous, moralement. Nous sommes fidèles, nous avons pour eux un souvenir, la force de la mémoire. Et aujourd'hui, ils seront à nos côtés, comme ils le sont chaque jour à nos côtés et comme ils le demeureront jusqu'au moment où nous nous retrouverons. Sur ce mot, bien entendu, je vous souhaite la plus belle journée qui soit. Cette journée d'amitié, faite de mémoire, faite d'espoir et surtout faite d'une grande gaieté et d'un grand bonheur d'être ensemble. Je passe la parole au président Prima. Monsieur le conseiller général, maire de Saint-Paul-de-Vars, Madame Marlowe, président du Centre d'Action Sociale de Saint-Paul, mesdames, messieurs, aujourd'hui, avec joie et un immense plaisir, que nous nous retrouvons réunis pour le repas des anciens, offert par le Centre communal d'action sociale de Saint-Paul, et qui, comme les autres années, ne ménage ni leur effort, et nous l'honore. Nous rappelle quelques jours passés. Je m'excuse parce que j'ai plus un peu de rue. Je vois bientôt. Au nom du Club des Anciens, je remercie Monsieur le Maire, Madame Marlon, Président du Centre d'Action Sociale, des personnes qui prennent part au dévouement, sans compter leur peine. Afin de faire passer une agréable journée. Je remercie également M. l'abbaye Candos qui nous a fait un don de 1000 francs pour le club. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et encore une fois, merci. Je vous souhaite à tous une
Merci d'être venu. Thank you.
Regardez la caméra prima. Vous pouvez continuer à parler. Sur le vif. Hein? La pure, oui. Alors, Je n'avais pas froid.
venir te voir en prendre un verre. Ça, c'est rigolo. Ah, bah. Non, mais tout le coup, c'est bon, hein. Non, mais pas envie. Vous savez, il était déjà plus que Thank you.
Thank you.
Ça filme toujours, hein. Et après, vous les prendrez pas. Ça filme encore, hein. Nous sommes bien réchauffés.
à la côte italienne de l'autre côté du col de Doha. Voilà. La redingote, les grands bas de les brutes qui sont passés par-dessus les culottes courtes que l'on appelle des bras et de marquer les patrimoine du Dauphiné, puisque les danses que nous vous
couvre d'Anton ne dépasse pas 1880. Eh bien, voici une danse, maintenant, que nous aimons beaucoup, que nous faisons depuis peu. C'est la montagnarde du Champsaur. La montagnarde est une danse pratiquée sur tous les massifs montagneux en France, avec quelques particularités. Dans l'Auvergne, elle compte des pas frappés. Alors, quand vous finissez, il y a que des pas qui sont marchés et glissés.
Il a géographie, mais il savait le goût du vin. C'était leur philosophie. Je baigne et tiens-toi.
L'aigle est terrible à te dire. D'ailleurs, t'as la ligne trop grande. David m'a donné l'an passé, chalanda. Et vous vous viendrez pas, monsieur. Vous en répondre. Comme la rue Jorfa ne tient pas de tout le monde. Si n'est pas dit, te parie que ton frère. Ma mère n'a point faim. Tiens, prenez pas mon affaire. Alors, il ton parrain. Ce n'est pas hier, il y a ton cousin. Dis, tu passes, tu chantes. Avec ton relâche, peut me faire ta finale, mettre à tout à l'usage. Je savais, et si tu veux vraiment ton oraison, te vas-y, passe à mon garçon. Et alors, nous, tu finis, il plaît à nier, et le nafri. Faut être le plus fort, Pierre, par mes raisons. N'oublie pas que la leçon. On va quand même que j'apprends un peu mieux, hein. Comme ça, la prochaine fois, je vous verrai jeter. Bon, allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Après la soupe du soir, sur le banc, que je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. Parce que femme, je n'y connais pas d'état, mais je me dis en voyant ses appâts, sûrement que des beautés pareilles, c'est certain qu'il y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De monsieur, autrefois, on peut la voir, qu'elle est assise à son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire. Avec son chignon, il est toujours bien coiffé, avec les siens du grand. On se comprend rien qu'avec les yeux. Quand je la regarde, elle m'a regarde. Nous nous la regardons tous les deux. Quand je ris, c'est elle qu'elle sourit. Quand je souris, c'est elle qu'elle rit. Alors je ne crois pas que ça tarde. Je vais croire le paradis. Elle est belle, elle est mignonne. C'est une bien jolie personne. Pour lui parler depuis longtemps j'attends. Dans son café il est plus client. Mais votre fiche c'est pire en pire. On dirait qu'elle les attire. Avec son chignon est toujours bien coiffé. La belle caissière du grand café. Maintenant plus j'ai fait de mots décrits. J'ai voulu lui donner aujourd'hui, mais je suis resté la bouche droite. Et je sais pas ça qu'elle a compris quand elle m'a vu mon papier à la main. Elle m'a dit d'un petit air
couloir de la porte à droite, tout au fond, vous trouverez bien. Elle est belle, elle est plus grande, c'est une bien jolie personne. Mais les femmes, ça n'a pas de raison, car ça dit oui, ça veut dire non. Ben, puisqu'elle veut pas que je l'aime, ben moi je l'aimerai quand même. Avec son chignon et son bien coiffé, avec les siens des grands cafés. Ah!
picotette vie nouvelle, puisqu'on ne va plus travailler. À présent, tout a bien changé, même pour nous les retraités, on nous appelle le troisième âge. Il n'y a plus de vieux maintenant, puisque nous passons notre temps à faire affaire ou en voyage. En attendant tous l'hiver, parcourons notre chemin en faisant d'une parabande. Ainsi c'est que nous prenons mon vieux jour dans la détresse et dans l'amour, et dans le château notre corps semble. Amis, que la retraite est belle, à tous souhaitons la santé pour achever ces années nouvelles. Avant d'entrer dans l'éternité. Il le mange et peine, il plaît dans le boisson, dans la mort, plus dans la peine, après la maison. Mon bon monsieur, je suis trop gueux, et tout gouverne-neige. Je suis bien nu, savez-vous, quel gâchis vous ferai-je? De temps marcher à l'abandon, j'ai la gorge bien sèche. Ton bon monsieur dans les moineaux, à la mer d'eau fraîche, l'eau ne vaut rien lorsque l'on tombe, le cidre est bien mieux. Oh, la vie d'un cœur ensemble, goûte-moi ce malheur. Bientôt le métier s'endormit. La minuit était proche, alors le vagabond sortit un couteau de sa poche, l'ouvrit puis lui resta terrible là, et se dressa soudain. Il planta son bras et la lame dans la niche du pain. Alors une autre, la dernière. Ah, après il y en aura une autre. Non, après je m'arrête. Viens, laisse un peu tomber tes poupées, laisse tes livres et tes cahiers. La vie, tu sais, ça s'apprend au dehors. D'ailleurs, je sais que quelquefois tu sors. Viens, je ne suis pas encore trop vieux. J'ai la passion au fond des yeux. Et j'ai besoin d'un cœur tendre à aimer. Oh oui, j'ai besoin de te protéger. J'ai tellement d'amour à te donner. Chez moi, il y a des canapés. Où je bercerai toutes tes poupées. Chez moi, je t'installerai le marché aux fleurs pour te parfumer. Chez moi, il y aura des violons pendus au balcon pour te faire danser. Tu vois, je sais que tes parents sont très gentils, et eux, à ton âge, ils étaient partis. Oui, j'ai peur que ton cœur prenne froid, j'ai peur qu'un jeune maladroit te fasse mal sans le vouloir vraiment. Oh oui, méfie-toi des jeunes amants, ils ont le cœur coupant comme un diamant. Chez
chez moi, des insomnies, même en pleine nuit, je ferai un jour. Chez moi, il y a des berceaux là, où tous nos enfants s'endorment déjà. Tu vois tout ce que tu veux, tout ce que tu as, c'est déjà chez moi. Thank you.
Yeah.
Ça va? Ça va être pas à la ronde.
Avec moi. C'est une petite chanson qui parle d'une petite espagnole qui s'appelle Pepita. Ah pourquoi Pepita? Ça aurait dit Pepita, revoir Pepita, pourquoi tu as dit Pepita, mais Pepita, pourrais-tu te passer? Je peux la chanter un peu plus vite, mais je vais essayer de la chanter plus doucement pour que vous compreniez bien. Ah pourquoi Pepita? Ça aurait dit Pepita. Dans les bois, Pepita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épices sans pitié. C'est Pepita de mes pieds, Pepita, pourrais-tu te passer? Vous chantez avec moi? Oui. Alors, répétez avec moi. Ah, pourquoi Pepita? Sans répit, Pepita. Ah, pourquoi Pepita? Sans répit, Pepita. Dans les bois, Pepita, pourquoi te tapis-tu? Tu mets de mes pieds, Pepita, pourrais-tu te passer? Ah, pourquoi Pepita, s'arrêter, Pepita? Dans les bois, Pepita, pourquoi te tapis-tu? Tu mets pieds sans pitié, Pepita, de mes pieds. De mes pieds, Pepita, pourrais-tu te passer? Ah, pourquoi Pepita, s'arrêter, Pepita, dans les bois, Pepita, pourquoi te tapis-tu? Tu mets pieds sans pitié, Pepita, de mes pieds, Pepita, pourrais-tu te passer? À vous! À vous, monsieur! Allez, on y va! Plus fort! Je vous entends pas bien, j'ai pas de retour! Ah, pourquoi Pepita? Hein? Ah, pourquoi Pepita? Ah, pourquoi Pepita? Ça va être une habitude dans les bras, Pepita, pourquoi tu t'habitues? Tu mets tes bras, Pepita, c'est pour te donner de mes pieds, Pepita, pourrais-tu te taper? Ah, pourquoi Pepita? Ça va être une habitude dans les bras, Pepita, pourrais-tu? Je me trompe. Allez, encore une fois, puis quelqu'un vient prendre le relais, d'accord? Ah, pourquoi Pepita? Ça va être une habitude dans les bras, Pepita, pourquoi tu t'habitues? Tu mets tes bras, Pepita, c'est pour te donner de mes pieds, Pepita, pourrais-tu te taper? Thank you.
l'œil. Regardez pas les pieds, je regarde moi. Je regarde moi les pieds. Sure.
Souviens-toi tout enfant, quand nous fêtions ensemble.